Mercredi 13 mars. Parfois l'Inde donne le vertige. Cet homme qui traverse la foule d'un pas hésitant, sous un soleil de plomb, au milieu d'une cérémonie religieuse exubérante, cet homme est seul. Il porte un échafaudage compliqué, composé d'une centaine de tiges métalliques qui toutes s'enfoncent dans sa chair. Une longue aiguille lui traverse la langue. C'est sans doute un yogi qui pratique un tapa, une ascèse, une des innombrables méthodes plus ou moins cruelles pour macérer son corps, le contraindre et le dominer. Ils sont des milliers comme lui en Inde, fous d'absolu, prêts à tout pour échapper au cycle des réincarnations, pour se délivrer de la souffrance de toujours renaître. Samedi 9 mars. À côté de Mysore, une colossale statue du taureau Nandi, la monture sacrée du dieu Shiva. Nandi, très vénéré, joue le rôle d'intermédiaire entre Shiva et les hommes. Toute la journée, des paysans venus en famille défilent autour de la statue. Ils font un puja, à la fois prière, offrande et cérémonie rituelle. Les enfants ont le crâne rasé, c'est le rite. Dès leur plus jeune âge, on les initie à leurs devoirs religieux. Les prêtres attachés au sanctuaire distribuent l'eau sacrée et reçoivent les offrandes. Même les plus pauvres leur donnent de l'argent. Je suis toujours frappé par le fanatisme de ces fidèles, les femmes surtout. Dans l'état de Madras, on rencontre tous les 10 km des temples gigantesques comme celui-ci. C'est ici, dans l'extrême sud, qu'il faut venir chercher les traces vivantes de la religion indienne. Thank you.
La chaleur est torride. À l'ombre des colonnes, les fidèles font la sieste. Je les envie. Même éveillés, les Indiens du Sud me donnent souvent l'impression d'être assoupis, éteints, absents. C'est peut-être le climat. D'après l'essayiste Neeraj Chaudhuri, le climat de l'Inde, trop froid ou trop chaud, trop humide ou trop sec, mais toujours excessif, aurait développé le pessimisme des Indiens, leur refus du monde. Ce seraient les conditions de vie qui auraient engendré la pensée indienne, et non le contraire. Cholas ruled over here between 10th century. At last it was extended section by section as per Agama Shastra. You see, that's just like our household building, one kitchen, one dining hall. Mercredi 20 mars, cet homme rencontré dans les escaliers du temple de Trichy s'est offert à nous servir de guide. Il a l'habitude des touristes. Il récite sa leçon par cœur et l'agrémente de nombreuses grimaces. Il est employé du temple. Je lui demande quelle est sa charge. Mon travail, c'est d'aller chercher l'eau du fleuve Cauvery qui coule en bas du temple. Cette eau est destinée au bain rituel des divinités. Nous sommes 18 prêtres qui accomplissons cette fonction tous les jours. Il dit qu'il a fait d'autres métiers. Il a voyagé à travers le pays et jusqu'en Birmanie. Il a été interprète, comptable, dactylographe. Ainsi va le cycle de la vie, un jour ici, un jour là. Aujourd'hui, je porte l'eau aux dieux, c'est comme ça. Not by the cycle of life, you see. Now the cycle of life is going on just like this. I am working here as a holy water carrier. Est-ce qu'il est brahmine? Peut-on le considérer comme un prêtre au sens où nous l'entendons? Il porte le cordon sacré autour de l'épaule gauche, l'insigne des deux fois nés, des hindous de caste supérieure. Ce cordon à l'origine était tout à la fois cercle magique, barrière protectrice, lien avec la divinité. I am not a dancer, I am simply getting a beat for you, for a joke. Not a dancer. And you make noise with your mouth. No, You make sound with your mouth. Wow, that is the country for the, you see, I give this sound to people who are coming. The small people are all coming. I want to get a joke. That's all right. Ils sont des dizaines et des dizaines comme lui dans chaque temple. Ces temples ont un conseil d'administration et une gestion autonome. Ils sont généralement très riches. Les fidèles sont généreux. Je ne vous demande pas une grosse somme. Donnez-moi 5 roupies de plus. Ce n'est pas pour moi. Je suis encore jeune, je peux monter 5 fois par jour les escaliers du temple. C'est pour les études de ma fille qui a 15 ans et qui apprend à taper à la machine. Partout dans les temples, on nous a ainsi rançonnés. La cupidité des prêtres est sans mesure. Just a minute.